C'est un quatrième pouvoir qui doit faire son travail en toute indépendance et toute liberté. Alors, on est en train de... Je suis Monsieur Kalonji, Ogui. Je viens de passer plus d'une heure à CMLB TV. Tout ce que j'ai vu ici, c'est magnifique. L'équipe, les équipements, le cadre. Tout d'abord, je voudrais féliciter le directeur général de cette entreprise qui est un jeune. J'appelle tous ceux qui n'ont pas encore fait comme lui à venir voler son expérience, à voler aussi son expertise. Madame Olive. Non, mais là, nous m'avons posé une question. Avec CMTV, avec CMTV, avec CMTV, avec CMTV, avec CMTV, avec CMTV. Très impressionné, très émerveillé, j'apprécie. J'ai trouvé une bonne organisation et je vois que, en tout cas, il n'y a pas de commentaires. Hein. Je suis fier. Fier de vous, du travail et je souhaite plein succès à cette entreprise. Je manque de mots, je ne m'attendais pas à ça. Je me disais, bon, je vais comme là partout on va, par exemple, vous trouvez la crasse, vous trouvez ceci. Mais ici, c'est bien fait. En tout cas, je suis très émerveillé, j'encourage. Pour une fois, je manque de mots. Parce que c'est bien fait. Je nous informons qu'ils t'y vont et divertissons. Nous informons qu'ils t'y vont et divertissons. Avec CMTV. Avec CMTV. Avec CMTV. Avec CMTV. Avec CMTV. Oh. Avec CMTV. Oh. Personnel de qualité. Service de qualité. Personnel de qualité. Service de qualité. Yeah. Professeur, merci pour votre cohérence. Je vais vous poser des petites questions. Ça va nous aider à analyser froidement sur les perspectives. Martin Fayulu a proposé. Sur l'architecture institutionnelle pouvant conduire le pays vers les élections. Je viens de passer une excellente émission avec des journalistes professionnels. Ma première impression, c'est l'étonnement. En dépit d'un environnement national du sous-développement, j'ai été accueilli dans un studio, dans les installations hyper modernes, extra modernes. C'est bien modernisé. Et comme je le disais à l'un de vos confrères, j'ai eu l'image des installations de grandes chaînes occidentales, internationales. Et je félicite le promoteur de cette initiative. Et si nous en avons deux, trois de cette qualité, avec un débat républicain non censuré, et je crois que la crédibilité, l'impartialité, l'inclusivité du processus que nous souhaitons de tous nos voeux sera une réalité dans ce pays. C'est moi qui vous remercie. Avec CMTV. Avec CMTV. Avec CMTV. Avec CMTV. Je ne m'y attendais pas de trouver un tel cadre. Je ne m'y attendais pas. J'ai une idée exacte sur les médias congolais. Donc lorsque je parle avec autorité. Je vous dis, lorsque déjà je suis arrivé, je vis la rédaction. Les gens qui sont assis et la salle est bien aérée.
bien acclimaté. Je suis allé voir le numéro 1, le bureau, il n'a rien envié à un ministre. Je vis le plateau, c'est comme si j'étais à TF1, parce que moi, je dis, il y a d'autres qui peuvent parler de TF1 sans pourtant y accéder, sans pourtant faire des émissions. Moi, j'ai fait des émissions à France 24, j'ai fait des émissions à TV5, j'ai fait des émissions, et où j'ai fait des émissions ici, presque dans toutes les chaînes. Et je dis, bien, en tout cas, le design est bon, la forme est bonne, de la bouteille qui est bien présentée, qui attire et qui fait la fierté, parce que c'est quand même, parfois vous arrivez dans certaines rédactions, c'est des gens si forts que c'est comme s'ils étaient dans un qu'ils étaient dans une autre place, mais sauf dans un média, parce que dans un média les gens doivent réfléchir, c'est un lieu de réflexion par excellence, c'est un lieu de débat, et là pour ces conditions là pour la réflexion, pour les débats, je pense que les conditions sont réunies, et je ne paye que jeter des fleurs à l'équipe de cette chaîne moderne qui a presque les mêmes normes avec les chaînes qu'on trouve ailleurs. Personnel de qualité, service de qualité, service de qualité, yeah, yeah. Avec si un maître TV, avec si un maître TV, avec si très bien, c'est vraiment bien fait. D'abord, toute mon admiration pour l'investissement, pour l'ambition affichée ici. Ensuite, je dois dire que le modèle que nous avons implémenté dans notre pays en matière d'audiovisuel est en train de connaître ses adeptes, et les meilleurs adeptes, dont l'UFrance aujourd'hui, qui, parmi la nouvelle génération, va être certainement un des journalistes les plus avisés pour soigner ne serait-ce que l'image de la presse de notre pays. Parce que on ne peut pas à la fois vouloir une chose ou son contraire. Avoir une presse de qualité n'est pas avoir le matériel. Avoir une presse de qualité n'est pas avoir les bons journalistes. C'est l'invitation ici que je lance à tous ceux qui travaillent ici, de travailler, d'être des bons journalistes, de ne pas seulement avoir l'argent. Parce qu'on ne vient pas dans ce métier pour s'enrichir. On vient d'abord pour avoir de l'expérience, pour avoir une certaine notoriété. C'est après qu'on peut gagner sa vie avec. Donc, félicitations à toute l'équipe. Avec si un maître TV, 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 avec si un maître TV. Félicitations, c'est un vrai plateau de télé. Je suis Afimiko Emenea, la fille aînée de King Kester Emenea. C'est la première fois que je viens dans ces locaux et j'ai été très impressionnée déjà par le professionnalisme des gens qui sont ici. Et bien entendu, la manière dont l'interview s'est faite a été assez instructif et assez agréable. Chai kimpia tumao, chai chai mon amour. Chai, chai, mon amour. Bako selinga, chai nanga. Afimiko Emenea sur ce maîtresse télévision, mesdames, messieurs, vous êtes en direct.